Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors on est reparti pour la suite de notre aventure sur Dawn of Man. On avait hop, débloqué traitement des céréales, ce qui nous permettait de construire production du mortier, permet de moudre les céréales là et meule de foin, permet de stocker. Spiritualité, funéraire, poton crâne, funéraire, on avait ça, et transport, on avait ça. Ok. Résidence, rien du tout. Hop, on est reparti. Alors, les champs. Je pense qu'on va plutôt partir ici pour faire les champs. Parce que là, c'est un hêtre. On a du chêne qui sont là. Alors, on va couper un peu des arbres. Ça, tu vas me couper ça, tu vas me couper ça. Ça, tu vas me couper ça aussi. On va faire un peu là. Et ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Du coup, on va construire aussi. Hop, ici, toi. Hop, et un nouvel humain, rejoint. Population interne 25 plus 3 de points de connaissance. Ok. Une zone de stockage. On va mettre en notre tas de bois ici. Pour. On va attendre qu'ils se construisent et on va mettre aussi des bûches. Hop, lui, c'est spécial bûche. Et on va en construire un autre. Stockage. Là, on peut pas. C'est pas grave. On va en construire un autre ici. Ah, lieu non valide. Ok. On commence. Tas de bois. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Hop. On va le mettre là. Il peut pas aussi. Oh. Là, c'est bon. Et celui-là, ça sera que des brindilles. En nourriture, on est bon. Hop. On va. Plus beaucoup de nourriture. D'accord. Là, on est comment? Là, on va attendre un petit peu. Hop, pêcher ici. Pêcher ici. C'était quoi? C'était une zone ça? Une zone de pêche. Supprimer la zone, comme ça on va laisser. Et je préfère mieux envoyer mes gars pêcher au fur et à mesure. Là on est bon. Là on va essayer de d'agrandir un peu. Hop. Où est-ce qu'il y a du bétail? Des animaux, plutôt on va dire. Bah toi, hop, un bouquetin. Non, ça c'est là. Où est-ce que j'ai là-dedans? Là, c'est quoi? Un cheval sauvage. J'ai pas trop envie de les attaquer, je préfère mieux les garder si je peux essayer de les domestiquer. Serait pas mal. Là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ici, j'ai pas grand-chose. C'est l'hiver, ça se voit que j'ai pas grand-chose. C'est pas grave. Hop, on va revenir ici. Non, ressources, c'était bon. Général, ouais, c'était ça. Ressources groupées, non. Donc en fait y a rien du tout. Alors hop, en attendant, on va construire résidence. Non, c'est pas ça. Stockage. Meule. On va commencer un peu à stocker.
on va en mettre bah là, allez hop. Je vais même en mettre deux. Là c'est pour stocker de la paille, non mais ça devrait être bon. Hop et production, ça c'était quoi ça? C'était l'atelier de talage. Non. Du coup, production. Le mortier. On va mettre bah, ici. Ah, là, on a presque plus de nourriture, mais c'est bon. Ah, lui, il a faim. Bah, on va chercher à manger. Hein. Ah, certains individus n'ont pas l'outil. Des haches, c'est bon. Le couteau, c'est bon. Là, on a 5. Traitement des légumes secs. Voilà, j'ai pêché pour avoir... les arcs, après on a quoi? Polissage de pierre. Ok. Anne-Laine sauvage, ouais. Zone 2, ça c'est quoi? Collecter le talin, extraire de l'eau, pêcher. C'est ça. Hop, une autre ici. Là, on va encore construire. Non, pas d'outils. Peut-être construire un peu. Ah, il y en a un qui avait faim. Bon. Une hache en silex. Parce que plus de nourriture. Hop, pêcher ici. Pêcher là. Pêcher là. Pêcher ici. Normalement, ça devrait être bon. On va avoir la nourriture qui devrait arriver. Nécessaire de domestication des céréales. Ouais, bah c'est juste après. Comme ça, on va le faire ça tout de suite. Hop, on est tranquille. Traitement des légumes secs. Alors, construire. Production. Rien faire. Mortier. Qu'est-ce qu'ils peuvent produire? C'est pour la farine, mais ils en ont pas. Tempête. Marchand est arrivé. Tiens, qu'est-ce qu'il nous demande lui? Élevé. Des légumes secs. Ça vaut 2. 4, 6. Ouais, oh bah attends. Hop. J'ai pas un truc qui vaut 1 là. Voilà. Quelques légumes secs, c'est bien, on peut toujours servir. Alors, là c'était quoi pour les bûches? Bah, c'était bon en fait. En fait j'en ai construit deux, mais bon. Ah, Alan sauvage qui s'est échappé, ok. Construire, pas rien d'autre. Stockage, non. Tente. Hop, on va en remettre une ici.
là ça fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, groupe de 6. Là. Bah tiens. Chassez-moi ça. Et du coup, tu me disais qu'il n'y avait pas assez pour la chasse. Des lances, j'ai 3 lances. Ah, lance en haut, lance en lycéex, couteau. J'en ai 15, ouais, j'ai pas assez en fait. J'ai des frondes, j'en ai 4. Lance en os. On va lancer. 5 autres, ça me ferait combien là? T'en rajoute, ça fait 3, ça fait lac, j'en ai beaucoup, ouais, il m'en faut pas mal en fait. J'avais complètement zappé. Donc, normalement, ça devrait être bon avec tout ça. Alors, il me fallait du bois et de l'os, j'en ai 11, donc j'en ai pour ce combien là? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'en construis 9 de plus. Donc ça devrait aller. Déjà un peu mieux, mais bon, il faut d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah, c'est qu'il est malade. Un qui est mort de vieillissement. C'était mal échappé. Ouais, bah oui, c'était sûr. La poterie c'est bon, là on a débloqué tout ce qu'il faut pour la prochaine nourriture. Je pense qu'on va mettre les archers. Je pense qu'on va partir sur l'archerie. Ouais. Ou alors polissage des os. Hop, c'est ça. Polissage des os. Ouais, pour avoir un couteau en os et une faucille en os. C'est quoi qu'il faut pour l'archerie? Ah oui, mais ça me dit pas exactement. C'est pas grave. De toute façon, on verra ça après. Ah, 7. Ok. Alors, je pars en quoi? Ça pour continuer à faire des couteaux en os. Où je fais mes arcs. Alors, les arcs, je sais pas du tout ce qu'il faut. Alors, déjà, c'est sûr qu'il faut du bois. Mais est-ce qu'il faut pas. Pour la corde. Qu'est-ce qu'il faut pour la corde? C'est ça. Hé hé, ça je sais pas du tout. Bon, bah on va le débloquer puis on verra ça. Ah, plus beaucoup de nourriture. Bon. Là, pas grand chose. Hop. On va attendre. Attends. On va aller à la chasse. Bah tiens, ils sont là. Les chevaux sauvages. Et puis chasser. Désolé, mais là, pas faire grand chose. Ça va me gagner des points de connaissance en même temps. Ah, du coup, tiens, mes archers, qu'est-ce qu'il me faut? Ah bah il faut juste de la peau et d'accord. Et du bois. J'en ai 11. Bah, on va en faire. On va en faire. Non, on va en faire. 4. Non, 5. Comme ça on est tranquille. Ouais, il y en a beaucoup qui sont partis chasser. Ah, il y en a les mammouths qui sont là, qui arrivent. Il y en a qui partent chasser, il y en a qui partent pêcher. Le marchand. Qu'est-ce qu'il veut? Des céréales? Non. Poisson séché, ça peut toujours me servir. Ça vaut 1. Voilà, j'en prends 6.
Donc, valeur marchande de 8. Ah, la tenue en peau, ça fait 10. La paille, non. Attends, il n'y a pas un truc. Tenue en peau, non. Peau séchée, céréales. Voilà, comme ça je lui donne. Hop, et voilà. Pas presque pas de nourriture, mais c'est bon. Ça devrait le faire. Au lieu d'avoir un poteau en crâne, on a des totems. Bon. Oui, sinon j'avais dit moi. Bah, hop, polissage des os. Comme ça, on peut construire un peu. J'ai 14, 10. Allez, on va faire 4 couteaux. Ça, c'est pour l'outil de récolte, mais pour le moment, j'en ai pas besoin. Allez, 5 couteaux. On va faire 5 couteaux en os. Ce sera beaucoup mieux. Je suis à combien? 9 de viande, 5 de fruits. Ah, j'ai plus de poisson. Bon, c'est pas grave. On va partir un peu. Un nouvel humain est né. Bon, c'est bien ça. Allez, hop, pêche ici. Pêche là. Pêche là. Et pêche là. Pour diversifier un peu la nourriture. 30 et 33, on va. Ouais, je vais faire. Je sais pas si je fais 2, 3 ici ou pas. Ou je pars un peu là. On va faire. Parce que là j'ai quoi là-dedans qui pourrait être intéressant. Du PCA. Lettres. Chaîne. Là c'est que les chaînes. Hein. Sinon le reste je peux couper. Hein. L'IPCA, ouais. Poirier, bon, on va couper là. Hein. L'IPCA, on coupe. Le chêne, non. Lettre, oui. Ce nom. Ça, on va partir un peu là. Sapin non plus, le boulot. Le chêne, non, lettre, puis voilà, et hop. Du coup, on va commencer un peu à construire des baraques. Ah, marchand qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose rien du tout d'intéressant. Donc moi, je vais dire, je vais construire une autre tente. Ben, on va faire ici, hein. On va faire un truc... comme ça. Comme ça. Et on va faire... ici aussi. On va le mettre... bah, on va le laisser là. Et on va en construire une autre comme ça. Voilà. On va faire comme ça. On va avoir un peu plus de monde. Là, on est combien? 2, 8. Ok. Je pense qu'on va arrêter un petit peu la construction de maison là. Parce qu'on a déjà pas mal de trucs. Non, là, je pense qu'il va falloir que je mette un peu, peut-être, dans le spiritualisme. Ah oui, là, c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs, moi. Voilà. Du coup, on construit un truc de... un totem. Voilà. Le totem, on va le mettre... on va le mettre où? On va le mettre ici. Ça. Apparemment, le totem, ça fera meilleur. Ça augmentera largement le moral, beaucoup mieux.
Et je crois que le totem, ça permet. T'as plus de monde. Et en fait, il faut combien le totem? Parce que j'ai pas regardé moi. J'ai pris comme ça, mais. Il faut 4 de bois, 4 d'os. 4 de bois, 4 d'os, oui, c'est bon. 2 de peau et une bûche. Ouais, c'est bon. Voilà, il devrait être beaucoup mieux là. Un totem, c'est bien. J'ai assez pour construire un deuxième en fait. Spiritualité. On va le mettre bah ici, allez hop. Ça y construit un deuxième totem. La nourriture, bah, ils sont vachement bien pour le moment. Ils sont tranquilles. Ils gèrent. J'ai bien géré. Avec un peu de mal, mais j'ai bien géré. Donc là, on est bon. Et après, on n'a plus que le polissage de pierre. Ok. Là, c'en est où là? Eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça. Est-ce que je reconstruis? Ouais, je pense que j'ai peut-être en reconstruire un autre. Stockage. Une autre tente. Parce que là. On va la mettre là. Hop. Ça c'est fait. On est tranquille. Du coup, je peux construire, et bah, des couteaux. Bah, je crois que c'est couteau à os, parce que j'en avais pas. Ils sont où? Non, ça c'est lance. Un couteau à os, si. J'avais biface, j'en ai 5, couteau à os, j'en ai que 5. Ah, c'était couteau à silex, voilà, que j'avais pas. Je vais en construire, bah, 3 silex, comme ça, il est tranquille. Ce sera déjà un peu mieux. De la farine. C'est bien, c'est que j'ai de la farine, mais bon, voilà quoi. Un qui est mort de vieillesse. Ouh, ça a descendu. Donc là, on est là. Hop, on va partir comme ça en montant. Hop. Hop. Normalement, on est bon, on n'a pas de problème de nourriture. Donc, on devrait être heureux. Logiquement. Niveau nourriture, on est bon. De l'eau, on est bon. Ressources, on a l'air d'être bon. Ça devrait aller. J'espère. De toute façon, on a quoi? 32 tenues de peau. Je pense qu'on va peut-être arrêter. Voilà. Gardez les pots pour autre chose. Un nouvel ennemi est né, donc c'est bien. Donc du coup, on est là. Et c'est 15. Ouais, il va me falloir 15 points de connaissance. L'hiver est là, mais on a pas mal de nourriture. Et de toute façon, pour passer, il me faut 15 pour passer au néolithique. Donc on va attendre, on va se dépêcher. Le marchand est arrivé. Qu'est-ce qu'il propose? Là on est comment là? Un peu plus de poissons. Chez
pêcher. Si on a un peu plus de poissons, on est tranquille. Ok. Bon. Il va falloir débloquer la période néolithique, ce qui nous permettra d'avoir des céréales. Donc c'est déjà pas mal. Plus on a extraction minière souterraine, bon, de la chaume, c'est important. Des puits. Bon, début de fortification, mais au moins on a nécessaire pour domestication des légumes secs. Traitement des céréales, donc on a le meule de foin, le mortier, traitement des légumes secs, voilà, on peut faire de la farine et du pain, et la domestication des légumes secs, pour pouvoir faire de l'orge, de l'engrain et de l'amidon. Donc voilà, on aura déjà nos champs de céréales. Après, on a. Ben voilà, on pourra aller récupérer de la chèvre pour faire du lait ou ben de la viande. Même temps que le mouton, le cochon. Après, on a le tissage, donc ça c'est pas mal. Pour améliorer un peu nos habits. Le pont. Ah, le pont. Il y en a pour moi ici. Ça évite de. Ça évite qu'ils aillent dans l'eau. Donc en même temps, si on peut faire un pont de la rive là à la rive là, ça serait pas mal. Et enfin, on a quoi Ah bah c'est pour créer des mégalithes. Donc on verra ça après, plus tard. Donc on va dans le prochain épisode, on va essayer d'atteindre les 15 de connaissances. Donc va falloir regarder si je peux pas. Bah, j'ai plein d'animaux qui sont là, donc on va essayer de récupérer des connaissances à droite à gauche. J'ai commencé un petit peu à déboiser à droite autour pour pouvoir m'agrandir et puis pouvoir me mettre les fermes. Là, je pense que je vais garder la forêt, mais je vais peut-être détruire ça. Afin d'avoir toutes les fermes, ou alors j'en garde un ou deux, je sais pas. On verra. On verra comment ça va se passer. Pour voir est-ce que ça prend beaucoup de place ou pas les fermes. Donc pour le moment j'ai de la place ici. Si ça prend pas mal de place, bon bah je couperai les 4 morceaux d'arbres qui sont là. Pour avoir plus de place. Du coup on aura nos fermes ici. Là je vais sûrement ou peut-être ici un peu agrandir pour avoir plus de place. Et je pense que je ferai un village enfermé là avec peut-être une ferme ici et une ferme là-haut. Je sais pas, je verrai. Ou alors j'agrandirai là encore. Tu vas fermer ici et refermer là encore pour faire une autre zone d'habitation. Pourquoi pas. Toi, comme on a dans certains faits historiques là, il y avait des villages qui étaient séparés en deux par par une rivière. Bah pourquoi pas faire un début de village ici, là, et puis un début ici. Comme ça, on ferme là, on ferme ici, avec un pont ou deux, les gens puissent traverser. Puis voilà. Et puis à l'extérieur, on a 2-3 fermes ici, 2-3 fermes là, un peu partout. Bah, de toute façon, on verra ça hein, plus tard. Mais déjà pour le prochain épisode, on va essayer d'atteindre les 15 points. Là. Ça va être long, donc il va falloir faire pas mal de connaissances. Donc chasser, ramasser en fait. On va faire pas mal de trucs comme ça. Donc moi je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.